Bonjour à tous et bienvenue sur Tister. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test, cette fois-ci sur le Asus ZenBook. Du coup on va voir un peu les caractéristiques, ses fonctionnalités, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dessus. Et puis voilà. Grandeur nature, on se retrouve avec un PC assez petit, hein. Et il peut paraître léger mais en fait il est plutôt lourd pour sa taille. Et sinon, au niveau de l'ordinateur, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir une super autonomie. Franchement, je l'ai utilisé toute la journée et il me reste encore 50% de batterie. Donc je suis assez content par rapport à ça. Il est super fin, super rapide, on a une vraie petite bombe. Bon, certes, on fera pas tourner des gros trucs dessus, mais c'est largement suffisant pour faire du traitement de texte ou faire même des logiciels de montage. Pour ce qui est des caractéristiques du Asus ZenBook UX310 UA, on retrouve à l'intérieur un Intel Core i5 6200U, 4 Go de mémoire vive, un SSD de 128 Go et un disque dur de 500 Go. Pour les connectiques, on va retrouver à sa gauche un port USB, un port HDMI, un port USB type C qui est tout nouveau, et puis on va avoir bien sûr le port jack qui supporte le casque et le micro en même temps. À sa droite, on va pouvoir retrouver un port pour carte SD, puis on aura deux ports USB 3.0 ainsi que les deux petites lettres d'indication du PC, à savoir la batterie et l'état de fonctionnement de l'ordinateur. Pour conclure sur ce produit, je tiens à mettre en avant son autonomie qui est vraiment exceptionnelle. Et sinon, au niveau de sa finesse, il est très fin. Au niveau du poids, par contre, j'aurais pensé qu'il était plus léger, mais il fait quand même son poids, 1,4 kg. Mais c'est largement supportable. Et puis voilà, au niveau des performances, rien à dire, c'est une vraie petite bombe. Certes, on fait pas tourner de jeu dessus, mais c'est largement suffisant pour faire de la bureautique ou du montage.